Good morning, allez-y, Daniel, tu seras aujourd'hui l'Irfoua, Taravon, Shmuel, Ben Léa, Betor, Shachol, Israël. Si vous souhaitez vous citer une prochaine étude du Mishnah, comptez-vous, c'est une minute éternelle. Nous étions en Sechen, Megillah, Perek, Aleph, Mishnah, Vav, En, Ben, Moudar, Naam, Echavero, Le Moudar, Mimenu, Ma'achal, Ella, Brissat, Haregel, Vekelim, She'en, Osin, Ba'en, Ochen, Nefesh. En, Ben, Nedarim, Le Nedavot, Ella, Sha, Nedarim, Chayav, Ba'achar, Yutan. O, Nedavot, Eno, Chayav, Ba'achar, Yutan. On est toujours dans la Mishnah de Enben, les différences entre des choses qui sont plus ou moins semblables, en rapport avec, on avait commencé avec Adar Aleph, Adar Bet, du coup jusqu'à la fin du chapitre, on va parler de toutes sortes de halakhot qui sont très ressemblantes, et la Mishnah, le but de notre Mishnah va être de dire, sur ce point-là, malgré tout, il y aura une différence, la différence, ça sera que sur ce point-là, mais pas sur un autre point, et comme on avait expliqué aussi, qu'à chaque fois, il va le trouver malgré tout. Si tu me précises que la différence, elle est que sur ça, c'est exclusif pour me dire que par contre, sur un autre point, hein, il faudra retenir l'avis qui va nous dire qu'ils restent semblables. Comme on avait déjà expliqué dans la chapitre présente, on va revoir de nouveau. En ben mudar anam echavero le mudar mimenu ma'achal. Il n'y a de différence entre celui qui fait le vœu de ne pas profiter de son ami, de celui qui fait le vœu de ne pas manger de chez son ami. Soit au Maroc, comme au Maroc, il lui a dit, voilà, je te promets, je ne mets plus les pieds chez toi. Je fais le néder pendant un mois, je ne marche plus, je ne profite plus rien de toi. Et l'autre, il lui dit, moi, si je fais le neder, je mange plus de chez toi. Ou bien, on va dire à l'envers. L'autre, il a commencé, je mange plus de chez toi. Et l'autre, il a répondu, et moi, je fais le neder, que je vais plus profiter de toi. Donc, il a rajouté. Un, il a interdit ce qui touche à la consommation, au sens très large, comme ce qu'on va voir. Et l'autre, il a dit, ce qui touche à tous les profits. Eh bien, quelle sera la différence entre les deux, celui qui a fait le neder de ne pas profiter du tout, et l'autre qui a fait le neder de ne pas tirer de profit de nourriture? Eh bien, l'unique différence sera et la drissat haregel, le fait de pouvoir marcher chez lui, vekelim she'en osin ve'en ochel nefesh, et aussi l'emprunt d'ustensiles avec lesquels on ne peut pas faire, qui ne servent pas à fabriquer de la nourriture. On va expliquer l'un après l'autre. D'abord, je commence avec drissat haregel. Drissat haregel, ça veut dire entrer chez son voisin. Celui qui a dit, je ne vais pas profiter de chez toi, je ne profite plus rien de chez toi. Il a fait le vœu pendant 30 jours, je ne profite plus de chez toi. J'espère que les Marocains ne sont pas vexés, moi aussi je suis Marocain, et je sais exactement ce que c'est pour ça que je parle. On a grandi avec ça, non, je rigole, très bien. Alors celui qui a fait le vœu de ne pas profiter du tout de chez lui, alors il ne pourra même plus mettre les pieds chez lui, imaginez qu'il a besoin de passer par chez lui pour partir chez le voisin. Quelque chose, qui mange pas de pain, ça coûte pas d'argent, c'est gratuit, tu rentres pas. Si tu ne profites pas, tu ne peux pas profiter. Et l'autre il dit, bah, écoute, puisque tu as interdit tout ce qui touche au profit de nourriture, marcher, jusqu'à preuve du contraire, ça touche pas à la nourriture. Il n'y a aucun profit, kiffine, quoi. Donc il va me revenir après. D'aucune manière, même de manière indirecte, il n'y aura aucun profit de nourriture par ça. Dans ce cas-là, tu auras le droit de marcher chez le voisin, si tu veux passer de chez lui pour raccourcir ton chemin pour partir chez l'autre. Ok? Et aussi, les ustensiles avec lesquels ne servent en rien à manger. Alors ça implique tous les ustensiles avec lesquels on peut fabriquer à manger. On peut aller chercher à manger, même prendre un caddie pour aller chercher de la nourriture. On n'aura pas le droit d'emprunter un caddie, parce qu'un caddie, ça touche encore à la nourriture, hein, quand on profite de la pêche. Mais pire que ça, si c'est des ustensiles qui servent, que normalement, on a l'habitude de payer pour les louer, et que je vais lui demander de me le prêter, et que grâce à ça, je vais économiser 5 shekels, le prix de la location. Grâce à ça, 5 shekels, je vais pouvoir aller acheter du pain, je vais pouvoir aller acheter à manger un paquet de ce que vous voulez. Donc 5 shekels, c'est encore un rapport de nourriture. Même ça, je n'aurais pas le droit de le faire. Donc en fait, la Mishnah avait dit, entre les deux amis là, qui est là pour le premier qui a dit qu'il ne va pas profiter, aucun profit de nourriture, il n'a pas le droit de profiter, ni bien sûr, il aura le droit, il devra tirer aucun profit de nourriture, ni aucun profit qui sert même de manière indirecte à apporter de la nourriture, et même aussi un profit indirect par lequel on va économiser une perte, une dépense, qui va pouvoir me produire de la nourriture. Tout ça, ce sera interdit dans tous les cas. L'unique différence, ce sera quoi? J'aurai le droit de marcher par chez lui pour raccourcir mon chemin, et j'aurai le droit aussi de prendre des ustensiles qu'on n'a pas l'habitude de payer pour cela, et qui ne servent en rien à préparer à manger. Alors là, j'aurai le droit d'en tirer profit. Tandis que l'autre qui a dit qu'il fait le vœu de ne pas tirer aucun profit, enfin le néder, de ne tirer aucun profit de son voisin, et ben même ça, il ne pourra même pas les prendre, d'accord? Fin du premier sujet de la Mishnah, deuxième sujet de la Mishnah, en ben nedarim ou nedavot. Il y a de différence entre celui qui fait un neder ou celui qui fait une nedava, celui qui fait littéralement un vœu ou un don. On peut à la Beth Knesset, par exemple, on parle de korbanot, concrètement. Mais d'abord, je vais prendre un cas à la synagogue.
Il y a quelqu'un qui peut faire le vœu de donner sans shekel. Il y a quelqu'un qui va dire je donne ce sans shekel à la synagogue. La différence fondamentale entre eux, elle est sur la chiyuv acharyut. La garantie, le fait d'assurer en cas de perte, est-ce qu'il faudra le payer. C'est-à-dire que je, puisque quand tu fais un vœu, tu dis je fais le vœu, je prends sur moi de donner. Le devoir, il est de donner. Il est pas de... Je prends le devoir de donner 100 shekels. Et je monte même mon billet de 100 shekels. Et bien concrètement, celui qui doit, ce que tu dois donner à la Beth Knesset, c'est toi qui as une dette envers la Beth Knesset. Maintenant, tu t'écris une dette. Si tu perds ce billet, ou tu te le fais voler même, de manière be'ones gamour, tu n'es pas du tout fautif. Malgré tout, tu as dit que tu dois payer 100 shekels. Tu dois payer 100 shekels. Avec ton autre poche, tu attends d'avoir de l'argent, tu payeras. Alors que si tu as fait le vœu de donner cette chose-là à la Beth Knesset, alors, c'est cette chose-là. Et si celle-là, elle a été, tu l'as perdu, béhonnête, t'es pas fautif. Un voleur qui est venu, un hold-up, on te l'a pris. Eh ben, c'est la Beth Knesset qui a perdu. Tu t'es jamais engagé à couvrir les pertes. La même chose avec le Beth Amikdash. Il y a deux manières de faire un vœu de Korban au Beth Amikdash. Une Ola ou un Shlamim. Je peux le faire soit Aré Alay Ola, ou soit je peux dire Aré Zou Ola. J'ai un animal de manger. J'ai cet animal, il sera Ola. Celui-là, il est Ola. Si lui, il meurt, ben, je dois plus rien. Mais si je dis Aray Alay Ola, c'est moi qui vais devoir apporter une Ola, eh bien je suis Chayav Bacharayut. Je dois le garantir. Je dois apporter la garantie, c'est-à-dire que si jamais il meurt, je devrais assurer les frais. Tandis que si je dis. Oui, d'accord. On fait ça dans les mots. En ben Nedarim, les Nedavot. Il n'y a de différence entre les Nedarim, les vœux, et les Nedavot, et les dons. Et l'achat Nedarim Chayav Bacharayut. L'unique différence, elle est que sur les vœux, Chayav Bacharayutan, il est responsable de couvrir. De les garantir, au cas où il y a une perte, il devra assurer les frais. Au Nedavot, on dit que si c'est un don, en Ochayav Bacharuta, il n'aura pas le devoir de couvrir les pertes en cas de perte, Béonès. D'accord. Par contre, sur quoi, comme on a dit que, d'accord, je sais qu'il y a une différence sur ça, mais sur autre chose, ils sont semblables tous les deux, c'est sur l'interdit de Balte Acher. Il faut savoir qu'il y a un interdit quand on fait un vœu, et c'est pas que sur le don au Beth Amikdash, c'est même lorsqu'on fait un vœu à la Beth Knesset, à la synagogue, à la Tzedaka. Dès qu'on a fait le vœu de faire quelque chose, il faut savoir on n'a pas le droit de passer les trois fêtes sans avoir payé son don. Imaginez quelqu'un au mois de Av, il y a plusieurs dysfonctions, je ne sais pas quel avis il est retenu dans l'Alaha. En tout cas, quand vous avez fait un don, dépêchez-vous de le payer même. Il y a une misat assez, une misat lota assez, de lota acher le shalmo, kasher mon shalmo kran et dava, kasher divarta beficha. Il y a lota acher le shalmo, un interdit de balta acher de ne pas retarder le paiement. C'est malheureusement fréquent, des fois, on a dit qu'on allait donner quelque chose, on laisse le temps passer, et on passe une fête, deux fêtes. Dès qu'on passe une fête, on transgresse une mitzvah tassé. Dès qu'on passe trois fêtes, on transgresse un lav de la Torah de ne pas payer le don. L'autre est acher, le shalmo, t'as le devoir de le payer vite. Et ça, que ce soit un don, ou que ce soit un éder ou une nedava, dans les deux cas, on transgresse l'interdit, si on ne se dépêche pas, de l'amener au Beth Amikdash, de régler sa dette, je dis au Beth Amikdash, ou même aussi en rapport avec les lois de Tzedaka, on a aussi le devoir de le payer le plus vite possible. Et c'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol tuv sela.